Elle donne beaucoup d'assurance. Franchement, on a confiance en cette planche et on a envie d'aller. En fait, il n'y a pas de limite, quoi. C'est le physique qui donne la limite de cette planche. Donc faut faire très 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 attention, surtout quand il y a du monde sur les pistes. Voilà. Sinon, pour un monoskieur, je pense que c'est vraiment la planche ultime, en tout cas. J'ai pas grand chose d'autre à dire en tout cas sur cette planche, tellement je la trouve fabuleuse. Salut à tous, bienvenue au Contamine Montjoie, dans ce merveilleux écrin avec le Mont Blanc qui est juste derrière moi. Je suis ici donc pour vous présenter le tout dernier produit de la fabrique Aluflex, la monolithe en longueur 195. Paré d'un écrin noir avec des champs jaunes. Cette monolithe aujourd'hui n'a pas une grosse différence par rapport aux autres monolithes des années précédentes, excepté la longueur qui lui confère une plus grande polyvalence sur son programme. Alors ça reste un programme bien évidemment freeride, mais c'est une planche justement au niveau piste qui s'en sort très très bien et qui permet de bien carver, en tout cas avec une bonne accroche. D'ailleurs c'est une bonne accroche grâce au titanal, matériau qui supprime la torsion de la planche, et donc vous avez un appui sur toute la carre. On y retrouve les caractéristiques également qui lui ont donné le succès de cette planche, notamment son Marcel Rocker qui permet justement de passer toutes les neiges, surtout trafolées, mais surtout qui lui donne une accroche en courbe incomparable. Voilà, on y retrouve également la fameuse semelle en néocarbone, hein, qui lui confère une glisse exceptionnelle, certainement d'ailleurs une des meilleures glisses dans le monde du monoski. Voilà, moi j'ai pas grand chose à vous dire, hein, si ce n'est que je vais vite aller l'essayer parce que je suis très très impatient, et puis je vous envoie les images juste après. Allez.